à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Focus, bienvenue pour votre émission du dimanche 15h30. Donc je suis Perle, aujourd'hui nous sommes Linda, Joël et moi pour une émission encore, j'espère, inspirante, motivante, tout ce que vous voulez. D'abord un petit mot, vraiment pour un mot d'encouragement par rapport à la période qu'on vit en ce moment. Je sais que ce reconfinement pour beaucoup est peut-être une période difficile, mais c'est l'occasion de se poser, de commencer un peu à voir vos projets, ce que vous avez mis en place en stand-by pendant ces derniers mois, des choses qui peut-être vous semblent importantes aujourd'hui. C'est l'occasion de faire un petit bilan, un petit checklist et de repartir de plus belle. Et surtout, je le dis aussi pour moi d'ailleurs, ne pas se laisser abattre parce que c'est très vite arrivé de se morfondre avec le temps qu'il fait. Au contraire, là, c'est le moment de rester positif. Et donc, Focus, on est là pour ça. Donc, rendez-vous tous les dimanches 15h30, n'oubliez pas. Donc, aujourd'hui, une émission, une thématique encore bien, bien inspirante. J'espère qu'elle pourra vous aider. En tout cas, aujourd'hui, on aimerait aborder un sujet qui touche beaucoup de femmes, et d'hommes, et d'ailleurs, c'est de croire en ses idées. Croire en ses idées, je vais déjà commencer par là. Et on va vous livrer nos 3 techniques pour les transformer en projets. Les idées, c'est pas juste la personne au côté pro, le côté, on va dire, femme entrepreneuriat. Ça peut être un rêve de voyage, un rêve de maison, enfin, peu importe. Avoir des idées, y croire, c'est très important avant de passer à l'action. Donc, avec Joël et Linda, on va vous livrer un peu nos méthodes, nos techniques qui vont, j'espère, vous aider à sauter le pas. Mais surtout, n'oubliez pas à rester vous-même et ne jamais vous laisser abattre. Alors, Linda et Joël, qu'est-ce que vous pensez de ce beau sujet que nous avons trouvé là? Bonjour à toutes, bonjour. Heureuse de vous retrouver sur Focus sur, comme l'a annoncé Perle, on a un sujet motivant, inspirant. Bah, moi, je le trouve génial parce qu'il y a une partie quand même un peu état d'esprit, la foi, etc. Et puis une autre partie plus concrète pour passer à l'action parce qu'on ne va pas vous laisser seulement avec des espérances, il faut quand même qu'on vous accompagne jusqu'au bout. Donc voilà, c'est encore une heure en perspective très positive et moi je suis très heureuse d'être avec vous. Pareil, moi aussi, bonjour à toutes, Joël, Perle, un superbe sujet encore, avec donc du coup, effectivement, ne pas être, ne pas se dire plus tard, parce que plus tard n'existera peut-être jamais, mais quand bien même plus tard existera, ce serait bien de mettre un peu de piment dans ce plus tard, dans les idées qu'on a. Il y a une phrase en ce moment, je n'ai pas retenu exactement l'auteur et le contenu exact de la phrase, mais il y a une campagne de 10 jours qui a été lancée sur le réseau social de The Focus où on parle de 10 phrases inspirantes et bizarrement la phrase d'aujourd'hui disait en gros vous avez une petite voix dans la tête qui vous dit et si je me lançais dans et qui disait écoutez-la. Vous voyez, c'est pas juste de l'écouter, mais en fait de foncer et faites ce qu'elle vous dit. En gros, c'est ce que disait grosso modo le proverbe, faut que je retrouve exactement la phrase. Mais c'est exactement ça et ce sujet va être, je pense, une belle opportunité pour se remettre d'aplomb et de se dire que les idées qu'on a depuis belle lurette, là, c'est peut-être temps, il est peut-être temps en fait que j'en mette au moins une ou deux en action et que j'arrive jusqu'au bout de ce qu'elle me, jusqu'où elle m'emmènera. Je pense que ça peut être une belle opportunité qu'on partage effectivement chacune nos techniques dessus. Donc à vous le don, les filles, mesdames, commencez. Perle, je ne sais pas si tu veux commencer ou Joël. Voilà. Alors, commencez pour nos auditeurs et auditrices. Prenez déjà un petit calepin pour noter hein, parce que ça va couler. Détresse, Perle. Non mais c'est important. Alors, déjà la partie croire, comme j'ai un peu joué, le côté foi, le côté vraiment partir de ce qu'on a en nous. Voilà, on a dit un petit peu de la petite voix qu'on a qui nous dit alors qui nous chuchote des petites choses. Des fois qu'on tait la voix intérieure, on a déjà un peu parlé, qui nous dit des choses qui nous insuffle comme ça des choses dont on a besoin. C'est important de l'écouter. Alors moi, ce que j'aimerais commencer par dire, c'est d'avoir déjà une démarche de se libérer, de se détacher de l'opinion des autres. Pourquoi je le dis? Parce que croire en ses idées, c'est d'abord avoir une certaine liberté de croire ce qu'on veut. Parce que si on commence à en parler à son entourage ou à des amis, peu importe, ils peuvent nous décourager, ils peuvent nous dire « mais non, mais c'est pas une très bonne idée » ou alors commencer un peu à nous, pas parasiter, mais voilà, commencer à venir un peu mettre leur grain de sable. C'est vraiment commencer par bien s'écouter et vraiment faire fi finalement de l'opinion des autres, que ce soit positif ou négatif. On n'a pas besoin d'avoir l'aval des autres pour dire « ah ben c'est une très bonne idée ». C'est d'abord commencer par s'écouter soi-même. C'est très important de savoir ce qui est bien pour nous, parce que nous sommes les mieux placés pour le savoir, et
surtout, surtout ne pas se décourager. Parce que le meilleur moyen de le faire, c'est d'écouter ce que disent les autres. Donc déjà, moi, premier conseil, ce serait ça, de croire en soi, c'est vraiment d'accepter et de vraiment de prendre à bras le corps ce que dit tout notre être. Des fois, il nous crie des choses. Donc, les écouter. Bien être à l'écoute de son corps, de sa tête, de tout, quoi. Parce que ce sont des signaux, ce sont des vrais messages importants pour notre bien-être. Ah, qu'est-ce que vous en dites, tous les filles? Merci, Perle. Donc, t'as vu comment elle. Aujourd'hui, elle est autoritaire, hein. Elle vous dorme. Ça arrive. Ce sujet réveille un côté de Perle que personne n'avait encore entendu à la radio. Mais quand on vient un coup. Je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Elle vous oblige à croire en vos idées. C'est pour le bien-être, toujours. Non, mais ce que tu as dit, c'est tellement vrai. C'est vrai sur le fait que les autres partageaient son idée un peu à tout va. C'est bien que sans être bien, quoi. Ça peut être bien de parler avec des gens toujours, mais c'est vrai que ne pas oublier que le sentiment des autres concerne juste leurs sentiments et leur expérience. Ils parlent d'eux-mêmes quelque part. Quand ils vous disent, ouais, mais est-ce que tu crois que, hein? En fait, ils parlent de leurs propres limites, etc. Donc, c'est vrai que ce que tu dis, c'est très intéressant. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que croire en ses idées, quelque part, c'est croire en soi. Et c'est très compliqué de croire en ses idées si à la base tu doutes constamment de toi-même. Donc je pense que si vous voulez vraiment, avant même de passer à l'action, nourrir votre idée, ne pas la lâcher et continuer à rêver autour de ça, il faudrait que vous vous référiez à vous et à ce que vous avez déjà mis en place dans votre vie, mais qui n'a rien à voir avec cette idée. Des fois c'est, j'en sais rien moi, j'ai réussi... mettre des chaussettes à mon fils alors qu'il voulait jamais en mettre, ou j'ai réussi à mettre en place tel ou tel truc pour l'organisation de la famille ou bien au travail, etc. C'est de vous rappeler à quel point vous êtes capable en fait d'avoir des bonnes idées, parce que croire en ses idées, c'est aussi se dire, est-ce que c'est une bonne idée, tu vois. On doute de ça, c'est même pas qu'on doute de l'idée, on doute du fait que ce soit une bonne idée. Donc peut-être que vous devriez regarder, moi c'est ce que je fais souvent, je regarde un peu dans ce que j'ai déjà fait et me dire, bah, tu vois, là, tu avais une bonne idée quand même. Tu l'as mis en place et finalement, ça a marché. Pourquoi celle-là serait si mauvaise? Pourquoi est-ce que celle-là, faudrait l'abandonner en cours de route? Donc, ouais, croire en ses idées, c'est pour moi la base. C'est vrai que c'est croire en soi, se rappeler ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a déjà fait de bien, et se dire, bah, si j'ai été capable, en fait, d'avoir cette idée, et c'était une bonne idée finalement, eh ben, c'est que pourquoi est-ce que là j'ai encore une nouvelle idée? Ça fait peut-être un petit peu peur parce que peut-être que ça sort un peu des schémas que vous avez l'habitude de mettre en place. Mais même si ça sort des schémas que vous avez l'habitude de mettre en place, ils viennent quand même de la même personne. Cette idée provient quand même de la même personne, c'est-à-dire vous. Et donc si vous avez réussi à avoir d'autres idées que vous avez mises en place, celle-là, pareil, elle vient de vous et donc elle est aussi valable que ce que vous avez déjà fait avant. Voilà, oui. C'est moi. C'est vraiment la base, et ouais, je pense que ça fait partie de croire en soi, en fait. Moi, je vous rejoins également, les filles. Hein. C'est aussi, moi, j'ai plutôt une notion de, dans ses idées, voir quelle est celle qui revient le plus dans sa tête, et sur, avec quelle intensité elle revient dans sa tête, sur quelle période elle revient dans sa tête, et se poser une question, entre guillemets, qui peut paraître simple, c'est si je n'allais pas au bout de cette idée qui revient, qui trotte dans ma tête depuis belle lurette, qu'est-ce qui se passerait dans ma vie ou qu'est-ce qui ne se passerait pas dans ma vie? Lorsqu'on se pose cette question et qu'on commence à déblayer un peu des réponses possibles dans les deux cas de figure, si je ne la fais pas ou si je la fais, qu'est-ce qui se passerait, et avoir le meilleur des scénarios ou le pire des scénarios, et en fonction de la réponse qu'on aura, voir si on est capable d'assumer le reste. C'est-à-dire qu'en général, quand on a une idée, c'est que quelque part dans notre vie, en tant que femme, en tant que pro, en tant que mère, on arrive à un carrefour. Parce que comme l'a dit Père, c'est pas forcément une idée projet, business, tout ça, machin. Ça peut être une idée qui va vous permettre d'être une meilleure version de vous en tant que maman, en tant que professionnelle. Et que ce carrefour-là, quand vous arrivez à ce carrefour-là, vous êtes arrivé à un moment où vous ne pouvez plus occulter cette voix en vous et de vous dire, ok, si je n'y vais pas, qu'est-ce qui se passera dans ma vie de pro, de mère ou de femme? Si j'y vais, qu'est-ce qui se passera dans ma vie? Quand vous avez posé cette question, et en général, c'est en tout cas, c'est ce qui m'arrive, c'est le moteur, c'est le petit,
le petit truc qui me manquait pour sauter de pas. Au moins, je n'ai pas besoin de trop de trucs pour sauter de pas parce que, comme j'aime bien me définir moi-même, je suis 49% de réflexion et 51% d'action. Donc, c'est vrai que je réfléchis beaucoup, pas mal, mais l'action, en général, elle ne tarde pas à venir, ou même si elle tarde à venir, une fois que je suis dedans, c'est comme une espèce de TGV, j'y vais et je prends à bras le corps tout ce qui peut arriver dès que j'ai mis en action cette idée-là. Donc, je prends un peu le pas, du coup, sur une fois que j'ai l'idée, que je me décide à me lancer, et puis voir un peu toutes les techniques que vous avez, vous les filles, pour réussir à lancer justement une idée, donc la concrétiser, ne peut simplement rester à l'état de je réfléchis sur cette idée-là. Quand je me lance, voilà, c'est comme une espèce de TGV, mais parce que je me dis au final, la réponse en général, c'est ce qui va se passer est forcément positif, ou du moins ça va être différent de ce que je vis aujourd'hui. Et ce carrefour-là, je pense qu'on se trouve toutes au moment où on a besoin de passer à l'action de cette idée, appelle au fait. En fait, c'est comme un appel à un changement. C'est un appel à quelque chose de différent. Donc différent, mieux ou pas mieux, on n'est pas encore là pour savoir si c'est le cas. C'est justement lorsque j'aurai sauté le pas que je saurai si cette différence-là, si ce changement-là est positif ou pas. Mais à un moment, on est obligé, on a besoin de sauter, on a besoin d'y aller. Voilà. Moi, je rebondis vite fait sur la notion de découragement que Père elle avait avancée. Et qu'elle avait mis là en parallèle avec le fait de parler avec des amis et tout. Il y a aussi un autre truc qu'on peut observer, c'est quand tu découvres en fait que ton idée, elle existe déjà. Là, je parle vraiment du côté pro pour le coup. Elle existe déjà en fait. Et ça, très souvent, ça va décourager les gens parce qu'ils se disent, parce que au début tu dis ah j'ai une super idée, tu vois. Et puis au fur et à mesure, parce que si tu commences un peu à fouiller, etc., à te renseigner, eh ben tu trouves quelqu'un qui a déjà mis ça en place. Et tu dis oh laisse tomber. Mais en fait, ne pas oublier en fait que je sais pas si on prend par exemple, moi j'adore m'habiller, donc si on va chez Zara, Zara n'est pas tout seul. Il est en concurrence avec Mango, avec H&M, avec Sandro, plus haut, enfin plein de choses comme ça, plein de marques. Et t'imagines si Zara s'était dit ah zut, mais attends, mais il y avait déjà H&M ou alors le contraire. Mais en fait, on n'aurait qu'un seul magasin. On irait tous s'habiller pareil chez un même magasin. Et pourtant, ils suivent tous la même tendance. La mode, c'est la mode. Donc, en général, ils suivent à peu près tous la même chose. Mais ils ont peut-être un service différent. Ils ont peut-être, ils emploient des choses pour se différencier. Et ne pas oublier justement que croire en son idée, c'est aussi croire à sa différence. Croyez en votre différence et au fait que vous êtes en capacité en fait de vous différencier des autres, même si t'as une super idée et que tu fouilles et que ah bah là bah machin il a déjà fait bah et en plus il réussit tellement bien et tout, c'est foutu. Non, je pense que tu dois croire à ta différence et au fait que t'es pas machin et que oui vous avez la même idée, la même trame, mais que toi tu vas trouver en toi, dans ton authenticité, une façon de le faire différemment. Donc je crois que ça aussi, ouais, sur la notion de découragement. C'est vrai que croire, c'est aussi éviter le découragement. Hein. Sans ça, on est foutu en fait. C'est clair. C'est clair. Moi, j'aimerais juste rebondir ce qu'a dit Joël tout au début. Dans la notion de croire, tu as évoqué le rêve. Oui. Le rêve, c'est très important, c'est très beau parce que ça renvoie quelque chose finalement d'un côté un peu pur, un peu presque enfantin, je veux dire, mais dans le sens noble du terme. Parce qu'un enfant, il ne va pas penser à tout ce qui est négatif, il ne va pas penser. Oui. Au danger, à tout ce qui peut arriver si j'échoue, si et pas, il va dire, ah ben j'ai envie de faire ça, il va y aller avec toute la candeur, toute sa force, il met toutes ses tripes, place, tu vois, puis il y a une action en se disant, voilà, j'y vais, puis après il réussit, il est tout content, tu vois, et jamais il va penser une seconde, dire, mais je vais me faire mal, ou je vais me vautrer, tu vois, c'est vraiment, si on arrive à avoir cette idée-là, retrouver cet esprit-là un peu au début de l'idée, et vraiment nous aide à sauter le pas finalement, c'est très beau. Effectivement, le rêve, c'est, on commence par une idée, je pense à toutes les deux, des exemples vivants, on va dire, de quoi cette idée. Je vois que tu as fait ta marque, tu t'es lancé pour le coaching pour les personnes timides, Linda, ben, entrepreneur, on ne te présente plus, hein, plusieurs multiples casquettes. Justement, j'ai une question pour vous, mesdames. Oui. Comment ça commence en fait? Vous êtes levé un matin en disant bah tiens je vais faire ça, ou il y a une part de vous qui, enfin c'est à mûrir, ça a mis longtemps à mûrir avec le, bon je pense qu'on a un peu évoqué dans nos émissions, mais j'aimerais bien le process, comment ça se passe de l'idée
passage à l'acte, il y a un élément déclencheur, il y a quelque chose qui un jour, un matin, vous dites, ça suffit aujourd'hui, bon, il faut que j'y aille, c'est maintenant ou jamais, ou ça se fait vraiment petit à petit, puis un matin, c'est presque, comment je peux dire ça, c'est presque arrivé, peut-être pas par hasard, mais voilà, c'était une évidence un jour. Comment ça s'est fait? Moi, les idées, elles viennent en réalité de qui je suis très souvent, de qui je suis et de ce que j'aime faire. Alors, pour la marque, c'était plutôt, j'aime m'habiller, je trouve pas tout le temps ce que je veux, ou alors dans des gammes très très chères. Et du coup, tu te dis, attends, tu vas faire pour toi. Moi, j'ai commencé comme ça, en fait, tu vas faire pour toi. Parce qu'il y en a marre de pas trouver vraiment comme tu veux. Moi, j'aime les vêtements assez, assez découpés, assez asymétriques, assez, truc. Et, on en trouve, bien sûr, notamment chez les Anglais, mais en France, pas trop. Enfin, c'est plus rare. Et du coup, ça, c'est venu comme ça. Et le coaching, pareil, c'est ce que je suis. Moi, j'étais quelqu'un de très timide. Et je me suis dit, mais regarde, t'as réussi à t'en sortir. T'as sûrement, comment t'as réussi, une méthode que tu peux reproduire, tu peux te former à côté pour ajouter d'autres choses et tout. Et donc, c'est une idée, ça vient souvent. En réalité, elle germe bien de quelque part, cette idée. Elle germe de toi. Donc, elle germe de quelque chose que tu es déjà souvent ou dont tu as envie ou que tu ne trouves pas. Et on en a 10 000 des idées. Enfin, je veux dire, dans une journée, je ne sais pas, moi, je dois avoir un million d'idées. Tu sais, tu fais le tri, ton cerveau, il fait le tri tout seul. Et puis, il y a celle, comme dit Linda, celle qui revient tout le temps, celle qui revient tout le temps, demain, après demain, et tu te dis, mais ça revient tout le temps, ce truc. Et comme ça revient tout le temps, c'est comme si ton corps, il te dit, mais allez, non, je te dis que c'est ça, mais t'as pas compris encore, tu recommences. Et donc, ouais, il y a les idées, toutes celles qu'on a tous les jours, tous les matins, dès que je me lève, attends, je faisais ça, oh, si je faisais ça. Mais il y en a qui passent, et puis il y a celles qui s'ancrent, qui restent comme ça au fond, tapis, qui te rappellent à l'ordre et tout. Et je pense que c'est ça l'idée. Quand on dit, ouais, j'ai une idée, en réalité, c'est celle qui parle tout le temps, qui dit, hey, toc, 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 toc. Et donc voilà, ouais. J'adore les flèches, on va tous les bruitages. Tu fais tous les bruitages. Tout ça en direct. En fait, moi, c'est très personnel, donc je vais partager avec nos auditrices et auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, mais avec vous, je pense que j'en ai déjà évoqué le cas, mais je ne suis pas sûre d'avoir vraiment insisté dessus. Moi, en fait, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à qui je suis devenue à un certain moment de ma vie. Et ça a commencé très tôt, c'était après les guerres, parce qu'on a survécu à deux guerres civiles, et mes parents et moi. Et déjà petite, inconsciemment, je savais pas comment mettre les mots dessus, mais je m'étais faite une promesse quand j'ai atteint la maturité, on va dire intellectuelle, de pouvoir mettre les mots sur ce que je ressentais. Je me suis promis, au fait, de vivre ma vie à 1000%. Voilà, de n'avoir aucun regret, parce que moi, je peux gérer les remords, je peux faire face à des remords. Donc, pour un rappel, les remords, c'est j'ai fait un truc, il fallait pas le faire, je gère quelques remords. Les regrets, c'est j'aurais voulu faire quelque chose, je ne l'ai jamais fait. Et moi, je pars du principe qu'on est fou en une puissance suprême ou pas, chacun de nous à sa porte, mais moi, je suis quelqu'un qui essaie d'honorer la promesse que la petite fille de 11 ans s'était faite de dire, t'as eu une seconde chance, deux secondes chances dans la vie, t'as pas été brûlé, t'as pas été violé, t'as pas été tué, t'as pas eu tout ça, toutes les séquelles physiques, je veux dire, que toutes les personnes que tu connais, que tu connaissais ont vécu, t'as deux secondes chances dans la vie, tout ce qui passe par ta tête, ne serait-ce que deux fois dans ton esprit, fais-le. Le reste, y a rien de pire que de mourir. Je suis en vie dans peu importe ce qui m'arrivera dans la vie, je vais pouvoir le surmonter. Ça, c'est à 11, 12 ans, j'avais déjà ça en moi, mais je savais pas comment l'exprimer. Et du coup, ce qui fait que aujourd'hui, face à l'adversité, même si je peux tomber, il y a un genou à terre, mais l'autre genou reste toujours un peu debout. Et donc, peu importe ce qui se passera, ce qu'on peut me dire de méchant, par les proches, par les moins proches, ce que je peux vivre dans la vie de pas beau, de difficile, je sais au fond de moi que je vais y arriver. Je me sens un peu limite de genre comme les Avengers, mais tu sais, c'est comme une espèce de revanche que la vie me donne, une seconde chance, et je vais pas gâcher deux secondes chances à cause de peur, de ce que les gens pourront dire, de ce que les gens pensent de moi, de ce que la vie peut me donner ou peut me retirer, parce qu'au final,
après tout ça, je suis toujours là. Donc, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire à part mourir? Non, non, non. J'ai un truc dans ma tête, ça vient deux fois dans ma tête, ça reste une semaine, un mois. Je me lance, j'y vais. Advienne ce qui pourra, et ça peut pas être pire que de se retrouver dans une forêt allongée parce qu'il y a des obus, parce qu'il y a des milices qui viennent pour vous tuer, parce que c'est traumatisant. Donc j'ai transformé du moins ce traumatisme-là en à la sans fête d'eau, I just do it. Là, j'ai un truc dans ma tête, je le fais, et j'y vais, et je peux pas vraiment l'expliquer. Je ne dis pas qu'il faut passer par des moments difficiles pour pouvoir avoir cet état d'esprit-là, mais je sais juste que je me suis fait cette promesse intime d'aller au bout des choses que j'ai dans ma tête. Si cette chose-là reste trop longtemps, il faut que je l'évacue. Et pour moi, l'évacuer, c'est l'affaire. Ouais, c'est bien parce que tu as dit si l'idée revient deux fois dans ta tête. Oui, deux fois minimum. Non, mais on comprend, tu vois, si on discute entre nous, on comprend les caractères des gens. Parce que moi, il faut qu'elle fasse toc-toc 100 fois. Elle, deux fois, c'est fini. C'est pas bon. Non, mais. C'est bien d'avoir précisé, parce que bon, c'est vrai que quand on a vécu des traumatismes difficiles dans la vie, soit on s'enfonce, ou soit on a comme un déclic, et ça nous donne une force vraiment en nous innée qui nous permet vraiment d'affronter clairement des tempêtes, même des orages, enfin, même les plus périlleux. Mais c'est bien de rappeler que c'est pas parce qu'on n'a pas vécu ce genre de choses qu'on ne peut pas trouver finalement en soi la force, la capacité et l'envie de prendre ses projets, de soulever des montagnes, d'aller jusqu'au bout de ses rêves. C'est aussi important parce que tu as bien rappelé le roman, le regret. Voilà, mieux vivre avec des romans qu'avec des regrets. Et ça, on ne dira jamais assez. C'est sûr que voilà, ça part toujours de nous. Hein, voilà. In fine, quoi, ça part toujours de nous, et de savoir. Puis, au bout, il y a quand même, on va en parler de la technique, comment on passe après le côté projet, il y a quand même le côté satisfait, être fier de soi, tu sais, le côté, allez, je l'ai fait, peu importe ce qu'il y a au bout, ce qu'il y a derrière, on est content d'avoir fait la chose finalement, on se dit, tiens, mais finalement, c'était pas si terrible, finalement, heureusement que je l'ai fait. Et bien après, si. Au passage, vous faites un petit max de pognon ou je sais pas quoi, peu importe, en France. Voilà, mais il y a tout le côté, yes, je l'ai fait. Je rappelle toujours cette, j'avais lu ou entendu, je sais plus, l'histoire d'un des pères fondateurs aux États-Unis. Il avait perdu, alors je sais plus son nom, les fans d'histoire, il y en a tout pas. Lincoln, exactement. Est-ce que l'une fois déjà lu l'histoire d'Abraham Lincoln? Ouais. Il réclamait je ne sais combien de fois dans les élections sénatoriales, enfin, toutes les élections politiques qui peuvent exister, il s'est réclamé, il a perdu quasiment tous ses enfants, d'abord sa fiancée qui est décédée, notre femme, il s'est marié, il a perdu des enfants, et in fine, il était président des États-Unis, quoi. Enfin, il a écrit la constitution américaine, ce que vous voyez. Enfin, quand j'ai lu son histoire, je me suis dit, mais c'est dingue, je ne connaissais pas ça. Tout ce qu'on retient, c'est tout ce qu'il a fait de bien, tout ce qu'il a fait de grandiose pour la démocratie, parce que c'est devenu les Américains aujourd'hui, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, ça a été un vrai élan de démocratie et de... Ça n'a jamais été fait à l'époque, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé. J'ai dit, mais oui, on devait le dire aux gens, plus parler son histoire de tout ce qu'il a raté dans sa vie, plus que tout ce qu'il a fait, parce que c'est ça qui... Il ne s'est pas découragé, le mec. Non, mais c'est hallucinant, c'est... Mais il y a un truc, et justement, quand tu as dit, il ne faut pas penser que c'est parce qu'on a vécu des trucs difficiles que forcément, il n'y a que ceux qui ont vécu des trucs difficiles qui sont capables de croire en leurs idées. Mais il y a un truc aussi, c'est que oui, l'adversité construit, mais ça ne veut pas dire non plus que vous devez accepter de vivre dans un monde, dans un environnement toxique avec des gens qui vous font du mal, etc. Parce qu'il faut penser que déjà pour avoir des idées, ce qui fait que vous êtes créatif en termes d'idées, c'est aussi votre bien-être. Je sais pas si vous remarquez, mais quand vous vous sentez bien ou quand vous avez bien rigolé ou quoi que ce soit, vous vous dites, vous avez plein d'idées, plein d'entrain, plein de machins. Et donc, il faut bien comprendre que si vous voulez déjà avoir des idées et en plus y croire et qu'elles soient pas détruites en plein vol, eh ben, il faut que vous fassiez attention à votre bien-être, à ne pas être trop dans des choses trop négatives, etc. Que vous sachiez faire, je vais dire le tri, mais en tout cas, voilà, poser des limites aux gens qui pourraient un peu trop vous marcher dessus ou créer des sentiments négatifs, des émotions négatives en vous, tout ça. Parce que tout ça, ça fait mourir une bonne idée. Une bonne idée, vous l'avez. Et puis demain, vous allez au travail, je sais pas,
vous avez vos collègues qui vous marchent dessus, vous savez pas dire non, vous avez là-bas votre amie, elle vous parle mal ou quoi que ce soit. Vous êtes assailli de choses négatives et tout dans votre environnement. Mmh. Mais votre idée, comment vous l'entretenez? Comment vous y croyez? Vous la laissez tomber, vous dites, de toute façon, c'est pas la peine, tu vois? Donc, c'est vrai que pour croire en son idée, il faut, pour vous dire, je vais avoir des idées, déjà, vous devez avoir quand même du bien-être, enfin, faites créer des moments de plaisir, et puis, pour y croire, pour entretenir cette idée, même avant de passer à l'action, pour toujours l'entretenir, qu'elle ne meure pas, franchement, entourez-vous de personnes positives, de bien-être, de mettez des limites aux gens, ne vous laissez pas embrigader dans des trucs qui vont créer des émotions négatives, etc. Voilà, c'est important, le mindset, les filles. C'est clair. Mais paradoxalement, quand il y a plus, je rebondis sur ce que tu dis, Joël, quand il y a justement c'est un environnement toxique, là, le bureau, des gens qui vous disent des choses négatives, tout ça, machin. Paradoxalement, j'ai envie de dire, c'est même à ce moment-là que votre idée, l'arbre de paix que vous avez réussi à créer un peu dans votre tête avec votre idée qui vous donne, qui vous apaise un peu, c'est à ce moment-là qu'il faut justement s'accrocher à elle. Parce que moi, j'ai envie de dire, c'est limite dans l'adversité qu'on connaît la puissance de l'idée ou la puissance de la détermination, on dit, mais quoi. Après, effectivement, c'est quand tout est bien aussi, c'est l'idéal. Quand tout est positif, que tu as affaire à un cadre amical, familial, professionnel qui te tend un peu les bras, effectivement, tu es aussi bien productive que lorsqu'il y a de l'adversité. Mais justement, dans l'adversité, il faut pas oublier que ton idée, peu importe le type d'idée que tu peux avoir, c'est ce qui te permet d'être bien. Parce que c'est ton idée, c'est d'abord à toi. Et justement, je voudrais demander ce que tu faisais, père, il faut savoir à qui ne pas se confier, quoi. Ou à qui se confier, j'ai envie de dire. Parfois, on a une idée, on est tellement, en plus, dans le temps qu'entrepreneur, on est toujours très, on a des papillons dans les yeux, on est comme là, dans le fond, on est bien, on est content, et on est tellement enthousiaste qu'on va aller en parler à quelqu'un qui, comme tu disais, Joël, n'a pas la force ou avec ses propres limites, tu dis, ce projet dans son idée, comme si c'était elle qui devait mettre ça en place, et dit que non, mais c'est pas possible, tout ça, machin. Et du coup, vous, si vous n'avez pas ce mindset-là de se dire, peu importe la réaction en face, ce n'est pas ton avis que je demande, c'est juste une information que je te donne, donc peu importe comment tu vas réagir. Moi, je garde mon état d'esprit, je garde c'est cette envie-là d'aller jusqu'au bout de la chose. Et du coup, quelles sont vos techniques, les filles, pour faire abstraction des réactions peu enthousiastes ou trop enthousiastes aussi des personnes pour vouloir parler de vos idées, si vous leur en parlez, bien sûr. C'est vrai que moi, je suis toujours dans la méthode que tu as dit, de savoir à qui en parler. Je trouve que c'est beaucoup plus sain que la démarche inverse, c'est-à-dire en parler un peu à n'importe qui. Et après, devoir, moi, gérer leurs limites, gérer leurs pensées négatives, moi, m'auto-motiver, me remotiver derrière. Tu vois, ça met en route toute une énergie, quelque part, que j'ai pas envie de dépenser parce que j'en ai besoin pour la mettre ailleurs. Donc, c'est vrai que je vais privilégier quand même. Après, on peut toujours se tromper à qui on se confie, mais à force, tu connais un peu ton entourage quand même. Donc, c'est vrai que je vais quand même privilégier des personnes qui, je sais, qui sont plutôt positives. Et même si elles devaient émettre une critique, c'est plutôt une critique constructive et non une critique destructrice, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai, je préfère cette démarche-là parce que réellement, avant, c'est vrai que j'avais souvent cette tendance à dire « Ah ben, je vais parler de ci, je vais parler de ça et tout. » Et de voir ensuite, quand tu as raccroché, par exemple, ou quand tu as quitté la personne, de voir maintenant, moi, gérer toute cette négativité qu'elle m'a infusée là, pour maintenant que j'évapore ça toute seule, dans mon coin, et puis tu rumines toute seule, t'es dans ton canapé, tu rumines tout ce que la personne t'a dit, et tu dois refaire encore un travail que t'avais déjà fait pour croire en toi, tu vois. Non, c'est trop de travail, donc ouais. Moi, les filles, si nous écoutez, franchement, privilégiez quand même. Voilà, des fois, c'est même une ou deux personnes, mais qui sont quand même positives, qui croient en vous, qui vous aiment réellement, et qui, si elles devaient vous dire, mais fais attention à ci, que c'est parce qu'elles veulent vous voir avancer et pas vous dire non mais attends, tu vas où là, n'importe quoi, tu prends pour qui, enfin voilà, je prendrais quand même cette méthode là. Ouais. Alors moi, ma méthode, c'est plutôt du vivre heureux, vivre caché,
Non, mais c'est vrai, ce qu'on l'a tout à l'heure dit, hein, il y a des personnes qui vont, quand tu donnes ton idée, que tu as trouvé ton idée, un projet, il y a des personnes qui vont te dire, par méchanceté, hein, faut dire appeler un chat, qui vont te décourager, peut-être par jalousie, par, voilà, pour plein de raisons, et d'autres personnes qui vont aussi le faire, mais plus par bienveillance, elles pensent bien faire, elles pensent bien en te disant, non, mais attention, mais va pas là-bas, mais attention, mais peut-être que, sûrement plus en projetant leur propre peur sur votre idée, votre projet. Alors moi, je suis plutôt enfin, assez introvertie. Moi, j'aime bien prendre mon temps, noter les choses, faire ma petite checklist, bien programmer mon truc. Et une fois que je suis sûre de moi, une fois que je me lance, voilà, enfin, je me suis lancée, je dis, ben voilà, j'ai fait ça, voilà, j'annonce le truc. Parce que j'aime pas, justement, comme dit Joël, refaire marche arrière en me disant, mais est-ce que mon monde, reprendre que les énergies négatives et les gérer, tout ça, c'est trop compliqué. Voilà, autant, après, si vraiment j'ai besoin d'un conseil précis, oui, là, je vais voir une personne ou deux, mais globalement, c'est vrai que vaut mieux pas trop en parler, quoi, c'est pas la paranoïa, mais c'est plus ma tranquillité d'esprit, mon bien-être, quoi, parce que. Moi, je trouve que j'ai fait les deux choses, les deux erreurs, entre guillemets. La première erreur, c'était avec l'enthousiasme, justement, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, d'en parler un peu à un cercle assez restreint d'amis, de la famille et tout ça, et des gens comme moi, ou bien même dans les milieux d'entrepreneurs. Et c'est vrai que la première année, c'était un gros choc. Donc, j'ai beaucoup fait le yo-yo, comme tu dis, Joël. Tu sais, j'ai beaucoup fait reset, tu sais, pour aller encore replonger, rechercher des énergies positives. Et c'est là où je vais faire un hommage à une amie en particulier, parce qu'elle a été vraiment ma bouée, à part, mis à part, effectivement, le côté familial et surtout mon partenaire business. Elle a été vraiment une bouée d'air. Tu sais, quand t'as l'impression de te noyer, d'être envahi par des trucs négatifs. Et en plus, ce qui est encore plus beau, de là du fait que ce soit une amie, c'est qu'elle ne comprenait absolument rien dans ce dans quoi je me lançais, donc du numérique, tu me parlais des trucs. Elle m'écoutait des heures, elle m'écoute encore aujourd'hui des heures entières. Elle pigeait pas un traître mot de ce que je lui racontais, mais elle était tellement, comment dire, fière et heureuse pour moi d'aller jusqu'au bout de mes idées. Et elle m'a encouragée par des mots, par le temps qu'elle passait juste à écouter. Et puis après, il y a aussi le côté financier, même si ça aide, qu'on le dise, hein, quand tu te lances, quand tu vois que quelqu'un ne trouve pas un traître mot de ton business, mais devient actionnaire de ton business, tu te dis, purée, c'est une belle preuve aussi de croire en toi. Et donc, tu ne peux pas, toi, en l'occurrence, ne pas croire en ce que tu fais. Et donc, moi, une des techniques, ça, c'est juste pour le petit hommage à cette amie-là, elle se reconnaîtra en plus, mais moi, c'était la technique que j'ai toujours, c'est en gros marquer un fichier Excel ou un calepin. Je marque toutes les idées que j'ai, toutes les idées. Parce que moi, je pars du principe aussi, une idée revient deux fois dans ma tête et qu'elle en vaut la peine. Donc, je les marque. Et j'en ai peut-être une cinquantaine, voire une soixantaine. Alors que j'ai des potentiels projets jusqu'en 2050. J'aime bien dire ça en même temps. Et je mets toujours, OK, pour passer à la pratique. Et ça, je pense que c'est encore le résultat de ce que j'ai pu vivre par le passé. C'est de me dire, l'idée que j'ai, il faudrait qu'elle soit bénéfique à la fois pour moi, mais pour les personnes aussi autour de moi. Et j'arrive à je me dis, OK, en plus pour moi, mais pour qui d'autre? Pour les enfants. Donc là, je parle de la partie associative. Donc je suis allée dans une association où je me suis mise un peu au corps et âme pendant quelques années dessus. La partie business, c'est, oui, c'est le numérique, mais oui, l'objectif toujours est de se dire, ça va être bénéfique pour moi, pour mon cercle familial peut-être, bon, plus pour mon cercle amical peut-être. Ensuite, ça va élargir à d'autres personnes et je me dis, OK. C'est comme si une espèce de responsabilité de ne pas aller jusqu'au bout de l'idée, parce qu'au final, tu vois très bien que si tu la mets en place, en action, le peu que ça prendra, ça va aider les gens. Donc, du coup, tu ne peux pas ne pas la faire. Parce qu'au final, l'idée, là, tu l'as comment? Moi, je crois beaucoup au côté, guillemets, un peu divin, parce que c'est pas tout le monde qui a les idées, hein. C'est pas pour être méchante, mais je suis désolée. C'est pas l'esprit créatif quand on dit, là, même si c'est complètement fou. On a bien vu rire les Picasso, les grands, les grands peintres, les artistes à leur époque, on les prenait peut-être pour des fous, mais avec le temps a passé, on les a pris pour des gens un peu, on avance sur leur temps. Mais voilà, ça vient d'où cette inspiration-là?
Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je crois fermement au fait qu'on a tous la capacité en nous d'être créatif, mais on n'a pas à la même intensité, du moins à écouter cette voix-là et aller au-delà. Donc, juste se dire, ok, cette idée-là, je la prends comme une espèce de assignment. Il y a plein de mots qui me viennent en anglais, alors je suis désolée. Quand je viens très intime dans mon truc, il y a les mots qui viennent en anglais. C'est comme une espèce de mission divine. Ça a l'air un peu fou ce que je dis, mais tu ne peux pas, aujourd'hui, quand tu as la créativité de faire de belles robes, faire une belle marque, tu l'as dit plusieurs fois, Joël, que quand tu vois les gens s'habiller, en tout cas celles qui portent tes vêtements, et qu'elles sont un peu moins belles, et elles portent une de tes robes, elles se sentent tout de suite belles parce que tu vois dans son visage que ça s'éblouit. Ça, là, ça n'a pas de. Tu vois, l'émotion que tu suscites, c'est comme une espèce de. C'était ta mission à toi, ce jour-là, de faire en sorte que cette personne-là soit heureuse. Et ça ne mange pas de temps de faire, mais encore faut-il de se dire, si tu n'avais pas fait cette marque-là, cette femme-là que tu as vue essayer ta robe n'aurait jamais ressenti cette émotion-là à cet instant-là. Père adore écrire, elle écrit très bien, et les sentiments que tu arrives à transmettre, à transcrire à travers les mots, tout le monde ne l'a pas. Moi, je ne suis pas sûre de l'avoir. Mais ça, c'est comme une espèce de mission. Tu ne peux pas gâcher un talent comme ça. Donc, l'idée que tu dois avoir, il faut que tu te fasses confiance en disant on a tout en nous des talents. Encore faut-il qu'on soit assez taré pour les écouter et assez taré pour les mettre en action, parce qu'au final, le talent qu'on a va d'abord certes nous aider nous en premier, mais va incontestablement aider aussi d'autres personnes. Les gens qui s'émeuvent devant un tableau de Picasso et compagnie, moi j'ai pas la fibre artistique peut-être comme eux, il y en a qui versent une larme, moi je vois un tableau avec des cris, bon bah ouais c'est mignon, mais j'ai pas le recul, j'ai pas la compétence nécessaire pour pouvoir juger si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est les émotions qui sont produites et qui ne s'expliquent pas. Donc Picasso n'a pas pensé à se dire je vais faire ça pour dans le but d'eux, il a juste écouter peut-être sa voix, je parle, je suis la meuf qui se met la tête de Picasso, mais je reste son exemple, mais je me dis juste que si quand on a un talent en soi, je crois que c'est une mission. Donc vous qui nous écoutez, si vous pensez avoir un talent, c'est un péché de ne pas aller jusqu'au bout de votre talent. Tester, c'est comme ça qu'on se découvre. Coco Chanel, Yves Saint Laurent, c'est quand même le premier homme dans le design qui a fait défiler des noirs, des mannequins noirs, des femmes qui ont porté des costumes. Ça a l'air de rien pour certains qui se disent « Oh, la mode, c'est superficiel. » Non, c'est un message fort. Le mec, il est mort depuis des années, mais il a encore sa marque et son rêve. Qui, aujourd'hui, tu te vois en tailleur, c'est parti d'une idée aussi qu'il a mise en place et qui aussi a fait du bien à des milliers, que dis-je, des millions de personnes aujourd'hui. Quand tu vois une Naomi Campbell, un mannequin noir des années 80-90 qui défile, bah, la sensation que ça provoque, c'est une idée qu'un mec, un gugus, dans sa chambre peut-être, a eu, je dis, chambre, pourquoi pas. Mais à l'époque, ça devait être, si je veux dire, c'était révolutionnaire. Quoi, un mannequin noir? Oui, donc vous qui nous écoutez, si vous avez une idée complètement folle pour vous, mettez-la en pratique, parce que si vous l'avez eue, c'est une mission de l'univers, qui vous dit, donc, appelez ça vous pouvez. La technique, c'est que marquez toutes les idées que vous avez. Bon, si vous avez toutes les idées comme moi, toutes les deux fois c'est bien, vous les marquez. 2 milliards par jour. Et ça ne coûte rien de le faire. Faites-le, ça pourra aider des milliers de personnes. Et quand vous les mettez au passage, vous pourrez devenir riche en plus. Justement, on va passer. Ça, elle veut focus. Donc, c'est ça. Si elles ont une idée qui va forcément qui les aide, qui aide leur entourage, et bien qu'elles viennent nous contacter et puis hop, on partage tout cela. C'est un peu comme ça, tout le monde est gagnant. Exactement. Non, mais justement, on va peut-être aider justement nos auditrices à passer à l'action. Et justement, c'est important ce qu'a dit Linda quand elle a dit ça ne coûte rien. Parce que souvent, on ne croit pas, mais les gens, ils ont une idée et ils pensent que ça va leur coûter quelque chose. Soit des fois, ça va leur coûter du temps. Des fois, il y en a qui pensent que ça va leur coûter de l'argent. Des fois, ils pensent que ça va leur coûter leur couple. Il y a plein de choses, en fait, qui font qu'on ne passe pas à l'action parce qu'on croit que ça va justement nous coûter quelque chose. Alors que l'idée en elle-même, elle vient comme ça, elle coûte rien, elle est gratuite. Et en plus, tu sais que si tu avais ça, tu serais bien, heureuse ou sur un yacht, comme dit Linda, sur un yacht avec un poisson braisé. Tu le sais pertinemment, mais simplement, c'est l'être humain qui est comme ça, il pense que ça va quand même lui coûter quelque chose. Donc, il faut qu'on voit, on va peut-être chacune donner nos méthodes pour que justement vous puissiez arriver
au bout de votre projet sans avoir l'impression que ça va vous coûter, ou alors sans penser à ce que ça va vous coûter, justement. Et pour ça, je pense qu'il faut y aller en douceur. Donc, voilà, on va vous aider tranquillement à aller, aller au bout. Suivez-nous, prenez votre papier, votre stylo, comme a dit Perle. Allez, au garde à vous, c'est parti. Perle, toi, quelle est ta méthode alors pour aider nos auditrices à aller au bout de leur projet? Alors, moi, ma méthode, c'est déjà, je ressens plus qu'à Linda, déjà de noter. Noter, c'est la première chose à faire. Une fois qu'on a l'idée, c'est noter qu'est-ce qu'il me faut pour mettre mon idée en pratique. Est-ce que j'ai besoin, tu as parlé tout à l'heure du temps, est-ce que j'ai besoin à un moment donné de me trouver ne serait-ce que 15 minutes par jour pour réfléchir, pour savoir où je vais aller, mais de trouver le temps de le faire. Parce que comme on a dit, in fine, on sait très bien que cette idée-là va nous rapporter quelque chose de positif en nous, quelque chose de un bien-être, quelque chose, voilà, ou même pour notre entourage. De dire vraiment, je me prends 15 minutes, j'ai un exemple concret, voilà. Je rêve de faire un beau voyage depuis quelques années. Donc, c'est écrit là sur mon petit papier là. Et je sais que ça me prend du temps parce que voilà, il faut trouver le temps de le faire, le créneau, tout ça. Je sais que ça me prend de l'argent, hein, soyons concrets. Je me dis alors, combien? C'est tout quand? Ah, c'est ton. Ok. Alors, combien de temps il me faut pour atteindre ce montant-là? Par contre, mes finances. Parce que au bout de fin, on dit, ah, mais c'est trop cher, mais je peux pas y arriver, ah non, mais c'est trop compliqué, avec les gamins à garder pour ceux qui ont des enfants, ah ben, le travail, comment je fais, tout ça, on va tout de suite mettre des pensées limitantes. Donc tout ça, on met de côté, on note, on programme. On programme en disant, voilà, à tel horizon, je fais ça, 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 ça. Une fois qu'on a fait ça, tout de suite, ça nous paraît moins insurmontable, ça nous paraît, c'est plus une idée, c'est déjà en train d'être un vrai projet qui, in fine, va aboutir. Pour avoir déjà réussi à aller. Donc, tu sais, quelques projets, quelques idées, je peux vous dire que après, on plane, quoi. Franchement, on plane des années après, on plane des mois après, des années après, enfin, je sais pas comment vous dire. Vous capitalisez sur ce que vous avez fait, mais toute une vie, j'ai envie de dire. Et après, vous recommencez, vous prenez le bâton. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'écrire, de voir comment ce que ça va me demander en temps, en énergie, en argent, peu importe, et de planifier, parce que sinon on va procrastiner, on va dire oh, peut-être demain, après-demain, ouais. On va planifier au maximum. En plus aujourd'hui on a la chance, avec Internet, on trouve tout, oui. On a tout sur Internet, donc il n'y a plus qu'à aller piocher les idées. Le banquier calepin, ça marche très bien. On ne révolutionne pas. Bon, après, Lina dira que c'était mieux l'informatique, j'en sais rien. Mais moi, je trouve que le papier, il n'y a rien de mieux. Et en plus, quand on couche, je ne sais pas si ça vous fait la même impression, mais quand on écrit, il y a un côté. Ça reste. Enfin, c'est comme gravé, quoi, vous voyez. Et tout de suite, ça devient concret. Ça devient plus concret. Ouais. Ça fait mes plus. Ben c'est bien parce que du coup, mon idée va pouvoir faire un peu le lien avec la tienne. Du coup, ils vont avoir une vraie méthode là pour le coup. une fois effectivement que vous avez suivi Perle et que vous avez noté tout ce dont vous avez besoin pour arriver à concrétiser votre projet, etc. Pour un peu plus avancer dans l'action, moi, ce que je vous conseille, c'est de poser des intentions. Et en fait, des intentions, c'est juste de... au jour le jour, c'est-à-dire de pas laisser vos journées passer et de pas les subir entre guillemets, c'est-à-dire enfin quand on se lève le matin en général on a notre routine, hein, on se lève, on va à la douche, on prend les enfants machin, aller à l'école, aller au travail, hein, hein, et t'as pas le temps des fois de penser à ton idée, tu dis ah oui à demain je le ferai, et puis à demain, et en fait une fois que vous avez couché sur papier tout ce dont vous avez besoin, vous allez prendre tout ce dont vous avez besoin et vous allez le décliner en mini actions. Vraiment des mini-actions, c'est pas un truc qui va bouleverser votre vie. Justement, comme on parlait justement de la peur de qu'est-ce que ça va me coûter, etc. Faites pas des choses qui vont renverser la table et tout, non. Juste des mini-actions. Par exemple, j'aurais besoin de temps. Voilà, vous avez écrit, vous avez suivi Perle, vous dites oui, pour faire cette idée, moi j'ai besoin de temps. Ok, si vous avez besoin de temps, le temps, hein, je parle, hein, parce que je dis temps. Oui, le temps. Essayez de voir, aujourd'hui, poser une intention chaque jour sur le temps. Par exemple, dire, j'ai l'intention aujourd'hui de m'accorder 40 minutes, tu vois, ou 30 minutes pour travailler sur, juste penser à mon idée, tu vois, faire des recherches sur Internet, etc. Appeler quelqu'un, appeler un partenaire, ou appeler l'agence de voyage, ou appeler n'importe quoi. Juste des choses qui ne vont pas renverser la table. Appeler l'agence de voyage, par exemple,
pour se renseigner sur le prix, évaluer par exemple le coût de votre voyage, ça vous coûte rien en termes de, ça renverse rien, ça prend pas encore l'argent sur votre compte en banque, ça prend pas encore, ça vous demande pas de poser les vacances auprès de votre employeur, ça renverse, mais ça fait un pas pour un peu plus concrétiser votre idée. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment chaque jour de poser deux intentions, entre deux ou trois intentions, des petites actions qui concernent réellement cette idée. Après, le reste, vous faites votre journée comme vous voulez. Vous devez aller chez le dentiste, emmener les enfants, machin. Ça, c'est pas un problème. Vous bouleversez pas. Mais juste de dire, voilà, je vais poser deux intentions tous les jours, ou au moins, bon, allez, peut-être trois fois par semaine, qui va concerner mes idées et les besoins que j'aurais listés pour atteindre mon projet. Voilà. Mmh. C'est génial. Parce que du coup, on se regroupe toutes. On part effectivement toutes d'écrire ces idées. Et ensuite, comme tu disais, Père, effectivement, de voir les limites sur le temps, d'argent, des finances, machin. Et comme tu l'expliques, je vous rejoins. Et moi, j'ai envie de faire un peu la fin de la boucle. C'est qu'une fois que j'ai fait ma liste, une fois que j'ai fait c'est la liste de ce dont j'ai besoin pour y arriver ou pas, je n'occulte pas ce que je n'ai pas encore ou ce qui sera difficile pour moi d'avoir. Mmh. Concrètement, si je dois faire un projet, moi je vais partir d'un projet entrepreneuriat, parce que c'est vrai que c'est ce qui me définit le mieux, hein, en ce moment, même associatif, mais plus entrepreneuriat. Avant, donc moi je suis puriste commerciale, et c'est vrai que je voulais, ça regroupe en plus l'association. Donc pour le cadre de l'association Melting Pot Development, dans laquelle je suis depuis une dizaine d'années, on avait besoin de refaire notre site internet il y a quelques années. Et donc j'avais eu l'idée qu'il faut qu'on refasse le site, comment faire, par où commencer, j'avais aucune notion de coding, de tout ce que je voulais, parce que je veux dire, faut pas minimiser non plus le truc, il faut quand même avoir un bon bagage pour faire du code, HTML et compagnie. Et du coup, je me suis moins rapprochée, donc la technique c'est que je me suis rapprochée des personnes qui savaient faire du code, pour qu'elles m'aident. Et j'étais consciente qu'elles ne pouvaient pas le faire à ma place, on avait une association, on n'avait pas les moyens d'aller payer l'argent qu'il fallait pour pouvoir avoir le site qu'on voulait, parce qu'on avait vraiment une dizaine d'années de contenu à mettre sur un site. Et pour ceux qui connaissent un peu le monde informatique, ça coûte un peu bonbon, quoi, faire un site, un site avec l'idée que j'avais du site, quoi, pas juste un truc vitrine vite fait. On voulait vraiment un site à la hauteur, en guillemets, de nos actions, parce qu'on a quand même de belles entreprises qui nous suivent. On voulait être un peu à la hauteur de leur environnement aussi à elles. Et du coup, l'idée, c'est de me dire, OK, on va le faire nous-mêmes. Et par où commencer? Donc, on a fait la liste de ce qu'on savait faire, de ce qu'on pouvait avoir comme contenu, de ce qu'on avait besoin d'avoir comme contenu. Maintenant, il fallait qu'on passe à la pratique. Moi, la technique, c'est de se rapprocher des personnes qui ont non seulement déjà concrétisé les idées que vous savez, parce que comme je disais, il y a plusieurs personnes qui ont fait plusieurs idées, Sarah, c'est le même principe, entre guillemets. Maintenant, ce qui nous différencie du fait que cette personne-là qui nous a aidé, ou cette entreprise-là qui nous a aidé, qui fait plusieurs sites, c'est pourquoi le site à nous était authentique, parce que nos idées, l'idée que j'avais du site, de comment l'agencer, de comment mettre les couleurs ici et là, elle était propre à l'association. Donc du coup, le fait de se rapprocher d'une entreprise, là en l'occurrence c'était l'entreprise pour laquelle qu'on avait créé avec mon partenaire, j'ai tellement cassé les oreilles pour savoir comment faire. Aide-moi à faire un site, trouve-moi le moyen de le faire, parce que là je bloque. Je vous ai dit, pendant des mois, je l'ai tanné, hein, ce partenaire. Je lui ai cassé les oreilles littéralement, parce que je n'arrivais pas à me départir de l'idée que on ne pouvait pas le donner à une entreprise. Ça allait être trop cher, ça allait coûter, ça allait prendre beaucoup trop de temps. Et je savais que s'il trouvait une idée, en tout cas, s'il trouvait une solution, ça allait m'aider. Et ben, ça a pris peut-être 3 à 6 mois, mais il a trouvé un outil qui nous a permis de faire du drag and drop. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est pas besoin d'avoir des notions de code, il suffit juste d'avoir le bel outil et toutes les idées que vous avez, donc tout ce qu'on avait dans notre tête, c'est-à-dire qu'on avait réussi à matérialiser le site dans nos têtes et on a mis ça sur PowerPoint, machin, et l'outil qui nous a été amené par cette entreprise nous a permis effectivement de pouvoir arriver jusqu'au bout, donc de concrétiser le site. Et donc là, on est fiers, on est heureux d'avoir un site flambant neuf qui est pas passé il y a quelques années déjà, mais qui était à l'image de l'idée qu'on se faisait. Donc, pour revenir de manière un peu plus générale, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte
d'identifier la bonne personne ou la bonne entreprise, le bel entrepreneur, en tout cas le bel interlocuteur à qui demander de l'aide pour concrétiser votre idée. Parce qu'une fois qu'on a fait justement notre liste de cette idée-là, je vais la faire, ok, voilà ce qui me limite, voilà ce que je peux faire moi, et comment faire pour pouvoir dépasser ce qui me limite, il y a forcément des gens qui ont eu la même idée que moi, et c'est positif. Parce que c'est pas mauvais d'avoir la même idée. Ce qui va vous différencier, comme tu disais, c'est l'authenticité. C'est comment, avec vos différences, vous allez faire que l'idée qui au départ est similaire mais n'est pas égale à la même, va pouvoir vous permettre de vous différencier. Parce que des associations, je voulais aussi la concurrence contre associations. Hein, c'est à celle qui aura fait le plus de projets, le meilleur projet, qui aura le mieux présenté, qui aura le meilleur site. Et bon, je suis désolée, donc moi, on était fiers de dire. On a un super beau site, donc si vous doutez, allez-y voir meltingpotdevelopment.com, vous allez voir, il est vraiment top. Mais ça a été de longs mois et on est allé au-delà de je reste dans mon coin, je fais ma chose tout seul. Moi, je vais ensuite voir les personnes. Il faut savoir effectivement identifier la bonne personne à qui poser votre question pour pouvoir vous aider à concrétiser votre idée. Et c'est aussi en cela que bah, on est là. Hein. Donc n'hésitez pas, on va vous voler votre idée parce que le principe de voler l'idée, moi ça c'est un truc qui me fait toujours rire quand j'entends des entrepreneurs dire « Ah non, mon idée, chut, on va me la voler. » C'est une idée, hein. L'idée elle ne vaut rien encore, hein. D'un point de vue business, elle ne vaut rien, c'est dans votre tête. Hein. Tant que les pas mis, et même quand je dis comme dans votre tête, tant que les pas mis en pratique, elle ne vaut absolument rien. Donc si quelqu'un vient faire exactement la même chose que vous et gagne de l'argent dessus, elle ne vous aura pas volé votre idée. Hein. Elle aura juste fait l'action plus avant vous de la concrétiser. Donc l'idée, partagez-la aux bonnes personnes. Une fois que vous avez fini d'écrire votre idée géniale, comment vous souhaiteriez la faire, là où vous bloquez, n'hésitez pas à demander de l'aide aux personnes, vous aurez identifié le potentiel pour vous aider. Quoi. Ben voilà, on a une méthode qui se suit parfaitement. Et pour vous dire, les filles, on ne s'est même pas consulté. Hein. Ouais, non, c'est clair. Ne pensez pas derrière votre radio qu'elles ont tout préparé pour que ça se suive. Là, on est en freestyle. Là, c'est de l'improvisation parfaite, vous voyez. Franchement, hein, on ne vous ment pas. On savait pas que Perle allait parler en premier et tout. Et les choses se suivent parfaitement. Donc voilà, vous avez un truc clé en main avec faites la liste de vos besoins, de ce dont vous avez besoin. Posez des intentions dessus, des mini-actions autour de vos besoins. Et justement, dans vos besoins, il y a sûrement des choses que vous n'avez pas sous la main, auxquels vous ne pouvez pas, des besoins auxquels vous ne pouvez pas répondre. Et donc, n'hésitez pas, comme l'a dit Linda, à aller voir la personne ou les personnes qui vont pouvoir répondre à ce besoin, parce que vous n'avez pas les ressources, on n'a pas tout, hein, malheureusement, on n'a pas toujours toutes les ressources intellectuelles ou matérielles ou etc. Enfin, en tout cas, et voilà, il faut aller voir les personnes qui ont ces compétences-là et ne pas hésiter à faire appel à eux. Et en faisant ça, normalement, vous êtes sur votre yacht. Avec un poisson. Transat sur votre voyage, le plus beau voyage que vous avez imaginé ou dans votre nouvelle maison, peu importe le projet que vous avez, mais tous les projets valent le coup, hein. C'est pas la peine de se mettre des on hiérarchise pas les projets, c'est ce qui vous fait battre le cœur. Exactement. Ce qui vous fait battre le cœur vaut le coup, voilà. Ouais. Ah, oh, c'est beau ça! Très beau! Oui! Mais ouais! Vous notez, un jour on va vous vendre nos phrases, mesdames! Non, mais c'est parce que là, pour le coup, on va faire un livre des plus belles phrases de Focus inspirantes! Un t-shirt, un truc, un t-shirt qui vous fait battre le cœur, vaut le coup! Voilà notre idée encore. On va la mettre en pratique. Non, mais c'est ça. Oui, en plus, on vous offre nos meilleures idées en direct. Non, mais franchement. Non, mais c'est génial. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est une superbe idée, ça. Oui, carrément. Alors, on a pendu une idée là, un business pendant 2 minutes. Je vous dis, accroupez-vous. Non, mais en disant, en rigolant, justement, voilà un exemple concret. On est dans un espace où c'est bienveillant, on est contente, on rigole, et les idées fusent. Donc, oui, moi, j'ai pas le t-shirt, je l'ai vu dans ma tête. Donc, je vois un t-shirt blanc avec le petit truc, et vraiment, ce serait génial, ça va le faire. Rendez-vous dans 1 mois et demi. Rendez-vous, ouais, dans quelques mois, vous allez voir notre nouveau t-shirt. Dans quelques mois, c'est pas le cœur. Hein? Dans quelques mois, c'est trop. Quelques semaines. Dans quelques semaines. Bah, avant l'été, parce que pour les t-shirts.
c'est bien que ce soit avant l'été pour qu'on puisse, voilà, un beau débardeur ou un beau t-shirt. Même en émouvant, on pourra le montrer. Et les offrir à l'auditrice. C'est un jeu concours, j'en sais rien, mais bref, on verra bien. Mais c'est une superbe idée, je trouve. Parce que pour le coup, il y a la chronique, non pas la chronique, enfin, il y a la page des phrases inspirantes. Parce que ce que Joël disait tout à l'heure, on s'est vraiment pas concerté. Donc, seuls les invités qui sont venus avec nous pourront attester que c'est vous. Après, on ne se concerte très rarement, voire jamais, avant les émissions. C'est toujours en général en freestyle, mais c'est ça qui fait justement la beauté de ce focus, parce que nos cerveaux, aussi fous soient-ils, ils sont plutôt complémentaires. Et du coup, les invités qui arrivent à passer une heure avec nous, du coup, arrivent à rentrer dans cette complémentarité-là. Ouais. C'est ça qui est beau, je trouve. Et effectivement, chaque phrase de ces invités-là, on en a fait les phrases inspirantes, une page qui est consacrée à chacune des phrases inspirantes, parce qu'il y en a toujours une ou deux qui créent son effet, là, comme Joël vient de sortir encore. J'ai déjà oublié, non, faut que je m'envoie sur replay, du coup, le cœur qui fait. Ce qui fait battre votre cœur vaut le coup. Vaut le coup, bah voilà. Car, j'ai vendu, déposé. Je voudrais faire une petite exception, sauf si ce qui vous fait battre le cœur, c'est un mec dégueulasse. Hein. Attention. On va la fouiller. Si c'est un zéro qui vous fait battre le cœur, non. Je vais être honnête. Non, parce que nous, les femmes, on aime trop avoir le cœur pour des zéros. Si les comme dirait Lila, faut pas rester avec des hommes qui viennent vous ralentir la vie. À tout moment, elle avait ça. Des voleurs, des braqueurs de cœur là. C'est pas la peine. Voilà, c'est bien qu'on vous laisse sur les pistes. Les pistes en cacahuète. À la fin, c'est toujours ça. En cacahuète. C'est important de mettre une nuance dans ce que je viens de dire, parce que sinon les filles elles vont prendre ça, elles vont dire ah c'est beau, il me fait battre le cœur et tout, ça vaut le coup. Non, attention. Il y a une lecture à faire, attention. Il est pas mal. Là, on arrive pratiquement à la fin de l'émission, ça va faire une heure qu'on se parle, c'est fou. Il va être 16h30 bientôt et je ne sais pas si vous avez un mot de fin, un mot d'encouragement comme d'habitude pour nos auditrices et auditeurs qui nous disent. Ah, j'aurais un petit mot. Oui. Plus ou moins lié à la thématique, pas forcément lié, mais un peu quand même. En fait, c'était une journée, comme on dit, qui a pas très bien commencé. C'est vraiment de mauvaise humeur pour une raison que j'ignore, vous voyez. Je sais pas si c'est peut-être l'ambiance, ce qu'on vit en ce moment, enfin, ben, peu importe. Et plus l'heure approchait de l'émission, je me disais, allez, ça y est, je vais pouvoir me poser, vraiment avoir mon moment à moi, vraiment, je vais pas être là à penser à 15 milliards dans ma tête, de pensées qui, des fois, me bousculent un peu trop. Et, je voulais rappeler un peu aux femmes, aux hommes qui nous écoutent, c'est que c'est important de prendre du temps tous les jours comme ça pour soi et se poser et déposer un peu ses bagages, là, tu vois. Justement, les moments où nos idées arrivent, qui vont peut-être comme aider à avancer, à avoir un peu plus de bien-être, voilà, c'est de rappeler que juste quelques minutes par jour, bon, nous, du coup, ça sera une heure pour moi, donc je suis reconnue à bloc, là, mais voilà, c'est important de prendre un peu de temps tous les jours, juste pour soi. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, peu importe, mais pour repartir, surtout en ce moment, ne vous laissez pas abattre parce que c'est vite arrivé. Et voilà, donc moi, ça y est, je suis reparti là. Donc j'espère que vous aussi. Donc juste, n'oubliez pas tous les jours, enfin tous les dimanches, 15h30, et tous les jours, on diffuse sur nos réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur les plateformes, de venir voir un peu tout ce qu'on met, les phrases inspirantes là, qui ont été données par nos invités. N'hésitez pas, prenez le temps, 5 minutes, ça ne manque pas de pain. Tiens. Et moi, pour ajouter à ça, je vais juste encore rappeler que vous êtes les bienvenus chez nous. Voilà, on vous accueille toujours avec plaisir, avec joie. Si vous avez un sujet ou un autre que vous voulez aborder, n'hésitez surtout pas à nous écrire, aller sur la plateforme et à nous écrire et à nous partager avec nous votre expérience, vos joies, vos peines, vos échecs, vos réussites. Peu importe vos petites recettes de maman, parce qu'on avait reçu aussi Laetitia il n'y a pas longtemps qui nous avait fait découvrir son organisation de maman. Donc voyez, tous les sujets sont les bienvenus et voilà, nous on s'inspire de femmes comme nous, c'est-à-dire des femmes
ordinaire, enfin toutes les femmes sont ordinaires. Après, on fait des choses plus ou moins extraordinaires, mais on est toutes faites de chair et de sang. Donc, on est, voilà. Et on s'inspire, bien sûr, de femmes qui ont des grosses réussites, enfin, en tout cas professionnelles, on va dire, et puis de femmes qui réussissent plus discrètement, parce qu'on a des réussites dans notre vie quotidienne qui ne sont pas à la face de tout le monde, mais qui sont ce que j'appelle discrets. Mais en tout cas, voilà, vous êtes les bienvenus et c'est important qu'on vous le rappelle et que, voilà, on élimine toujours une de nous pour vous recevoir. Donc, c'est pour vous dire à quel point on vous fait de la place. On enlève soit Père, soit moi, soit Linda, et on vous fait la place et vous prenez la place d'une de nous trois et vous blablatez avec nous pendant une heure autour de sujets positifs. Oh là là, que dire après tout ça, à part juste dire ce qui paraît pour moi évident, c'est en plus c'est un super sujet encore. Et justement, si vous appréciez ce focus autant que nous, ce focus était une idée il y a quelques mois, et voilà le résultat. Et le pire, c'est qu'en nous écoutant, vous y contribuez. Donc ça ne mange pas de pain, hein, les actions que vous faites, juste mettre la radio sur votre smartphone, sur votre tablette ou sur votre téléphone et nous écouter, c'est déjà faire l'action, c'est déjà contribuer à quelque chose, à un projet qui, il y a encore moins d'un an, n'était qu'une idée. Vous savez, c'est fou, je viens juste d'y penser en nous regardant, et moi j'adore ça et je suis fière de nous, sans vouloir voilà, mettre machin, c'est, tous les dimanches, c'est, ça nous fait du bien de concrétiser, de continuer à concrétiser un projet qui, il y a 8-9 mois, n'était qu'une idée, et le faire ensemble, moi je trouve ça juste priceless. Donc merci encore de nous suivre tous les dimanches 15h30 sur ce focus en direct, mais pas que, parce que toute la semaine, tous les jours, il y a le programme de belles émissions passées, et on vous réserve encore de très belles surprises, j'espère que vous allez les adorer dans les semaines à venir. On va recevoir aussi une superbe invitée le dimanche prochain. Donc encore une fois, merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses de suivre dans The Focus, l'univers de la femme, de la mère et de la pro. On rend l'antenne. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Bon dimanche. Bon dimanche.